Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, Omnisport, Dom Garindiaï, Warul Tid, Warul, Ragal Mindy Bege, Dylan Bege, Dylan Bege, comme nous l'avons dit, Bourzon Yaïnona, Bourzon Sayomane, Bourzon Sénégal, c'est à 20 000 francs à Mondial Sport, leader de l'équipementier au Sénégal, Satek IPTV Mega, 8000 chaînes à 32 500 l'année, 77 535, 97 62, n'hésitez pas. Donc, à les contacter, nous serons chez nous, une Coupe du Monde Yaïnou, quand 2023. Les plus beaux que nous avons avec Satek, IPTV. Mais on va parler des joueurs qui ont été les pépites du Sénégal. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons. Mais après, les joueurs qui ont eu un problème, le transfert de Mohamed son élan a été brisé par un transfert parce qu'il a été finalement international. Dernièrement, en 2021, en mars et en septembre. Mais finalement, le transfert de Mohamed jour bi yakarna war ngeen ko deviner c'est Abdallah Sima. Abdallah Sima, donc xalé tout là, il est né le 17 juin 2001. Pour l'instant il a 21 ans, donc 20 ans 2001, il aura 21 ans en juin, donc il a de la marge de manœuvre. Il a fait une très bonne saison et bien le djugé mu dem fele je Slavia Prague daw mu def saison bu djegi dayo gaay deug nañ ko ñepp ko don note Abdallah Sima parce qu'il a fait des performances. Mor Ali Cissé ne pouvait pas ne pas l'appeler. Mou tok Ligue Europa bi. Europa League 11 matchs 5 buts la def daw. Championnat 21 matchs 11 buts 4 passes décisives. Donc Ali Cissé moun kon bagnou. C'est la même chose actuellement avec Illiman Diaye. Il flambe. Ali Cissé ko wara may chance. Abdallah Sima, Abdallah Sima may nanko chance. Positionnement yi ka Ali Cissé tek, c'est discutable parce que na Naraka mou jouer ko ay piston ak yoy. C'est discutable mais il a eu sa chance et on espère qu'il va revenir. Mais actuellement, ni boy ni ngoy laaj an Abdallah Sima. Abdallah Sima a eu un transfert. Dafa djougué Slavia Prague dem Brighton. Quand on l'a fait, Slavia Prague, ils avaient besoin d'argent, nous l'avons fait. Comme Mercel Abiy Diallo, ils l'ont forcé à aller à donc, Strasbourg. Alors Abiy Diallo, Bougouron Dem au départ. Abdallah Sima aussi, il voulait relever un nouveau challenge. C'est Brighton qui était là. Brighton l'a fait. Après, Alco Stock City, mais malheureusement, Stock City, il n'a pas réussi à percer. Parce que cette saison, c'est 4 matchs, 2 matchs de championship, 2 matchs de Capital One Cup, 0 but. Mais, en première division, avec l'équipe de réserve, Abdallah Sima, il marque, c'est un buteur. Il a joué 5 matchs pour 4 buts. Donc, c'est un buteur. S'il a du temps de jeu et il joue attaquant de pointe, il marque des buts. Abdallah Sima, c'est le très haut niveau. Ben aspect qui a freiné sont les blessures. Il n'a pas été épargné par les blessures. Blessure du 24 septembre au 27 octobre. Blessure à la cheville. Blessure à l'aine. Donc, du 3 novembre au 5 décembre. Blessure encore. Blessure à l'aine encore. Du 4 février à la date de reprise inconnue. Abdallah Sima, lors mon chavo freiné pour l'instant carrière, il connaît beaucoup de blessures alors que c'est un excellent joueur. Attaquant il fait d'accord double Barioul. Voilà. Dernièrement, il a marqué un doublé face à Aston Villa avec l'équipe réserve de Stoke City. Donc c'est pour dire que c'est un très bon attaquant et il a de l'avenir. Nous connaissons les gars. Deux ans, Moudiéma Kol, Moundem Brighton, Moundem que le beau comme Tanena, Allemagne ou la France, Moudiéma a mal du temps de jeu. Gars, il guisarco. Parce que c'est l'année de Coupe du Monde, s'il flambe, il peut toujours accrocher le wagon. Parce que c'est un excellent joueur, Abdallah Sima. Et donc vraiment, je pense qu'il peut apporter beaucoup de choses à l'équipe nationale du Sénégal. Il peut jouer sur l'excentré droit ou bien attaquant de pointe. Il y a un joueur qui est aussi, Mungi Stock City. Il joue attaquant de pointe ou le milieu offensif. C'est Ibrahima Sy. Ibrahima Sy, nous connaissons qu'il est international, donc U17 Sénégalais. Ibrahima Sy, nous connaissons qu'il est. Donc il a quitté le Sénégal, donc il faut le Stock. Donc Stock City. Donc le Moudié Siné, il joue avec l'équipe nationale, avec l'équipe réserve. Cette saison, il a joué 20 matchs pour une passe décisive. Donc c'est un milieu offensif, plein d'avenir. Actuellement, il a 19 ans. Donc c'est un très bon joueur qui peut s'affirmer dans le futur. Donc nous avons un ex-Stock City, deux Sénégalais, deux jeunes Sénégalais. Abdallah Sima, il joue excentré. Donc Ibusi, il joue milieu offensif. Des fois, il joue comme deuxième attaquant. Donc ce sont des joueurs qui jouent à Stock City et qui ont plein d'avenir. Donc on va tout faire. Donc pour les suivre et ñaanal leen ñu gëna éclore surtout Abdallah Sima mo gëna donc précoce qui dit Ibrahima Sy il a le temps de rebondir mais Abdallah Sima li mo wara xam il faut aller dans des clubs où il aura du temps de jeu parce que bu amé temps de jeu il pourra percer parce que c'est un talentueux. Ibrahima Sy aussi ne connaît progression en deuxième division avec l'équipe réserve et il va progresser plus tard. Il a 19 ans pour qu'on soxla aussi mu am prêt dem ay France parce que France est une sétane. Et France et Belgique, nous permettent d'éclore comme ça, nous avons un temps de jeu en équipe première. Dom Garindiaï, Warul Tid, Warul Raga, Abdallah Sima, Moïse Mtiaredi,
on attend le retour du ciment de Slavia Prague de l'année dernière. Ibrahim aussi, donc bonne continuation et bonne éclosion dans le très haut niveau. Donc, on va gagner un Warul Tid, Warul Ragal.